On est de moins en moins de personnel soignant dans les services, et donc moins de personnel soignant, plus de burn-out, plus de difficultés dans notre travail et plus de difficultés à prendre en charge nos patients. Le burn-out, oui, c'est flambé de l'intérieur sans que ça se voit de l'extérieur. On n'est pas assez nombreux, on a de plus en plus de patients en charge. Et il est difficile de prendre correctement ces patients en charge sans une mise en danger si on n'est pas plus nombreux. Bah, cette action, c'est un coup de gueule et c'est aussi pour essayer d'alerter un peu le public et notre ministre qui nous abandonne un peu, qui hésite depuis quelques mois à nous recevoir, et ou même qui refuse de nous recevoir, et à qui on a envie de dire que l'hôpital ne fonctionne plus, le système de santé en France va de moins en moins bien, on a de moins en moins de personnel pour soigner notre population, et donc on a des soignants qui vont de moins en moins bien, parce qu'ils se fatiguent, ils baissent les bras. Ils tombent malades, ils abandonnent, ils changent de profession ou ils se suicident. Et voilà, voilà vers où va notre santé. Le but de ce happening aujourd'hui, c'est vraiment d'interpeller, que ce soit les soignants comme le public, sur le fait que la santé est vraiment en danger. Le personnel est épuisé, donc on a l'impression de ne pas prendre soin de nos patients, en fait. C'est vraiment notre revendication principale, et on a aussi beaucoup de suicides de soignants, ce qui n'est pas forcément nouveau. Comme vous avez pu voir depuis janvier, au niveau de la PHP, il y en a eu 7 là, depuis début d'année. Il y en a partout ailleurs, en fait, mais sauf que ce n'est pas recensé parce que l'épuisement professionnel n'est pas reconnu comme maladie professionnelle. Donc c'est difficile après de donner des chiffres, en fait, de savoir exactement. Donc voilà, le but, c'est ça. Voilà, on a dit qu'on allait se pendre parce que pour nous, la santé est en train de mourir tout doucement, à petit feu, et qu'il n'y a pas grand monde qui fait grand chose justement pour ça. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est capable de se mobiliser pour plein de causes. La santé, ça nous concerne tous. On n'arrive pas à se faire entendre, en fait, sur vraiment notre mal-être, notre souffrance, vraiment au quotidien. Donc voilà, c'est toujours un petit peu choc, ça peut choquer comme ça, mais c'est le but, il n'y a que comme ça qu'on va arriver à se faire, peut-être à se faire entendre. Écoutez, au début, on reste un peu sans voix parce qu'on se demande ce que c'est, puis plus on s'approche, ensuite on lit ce qui est marqué. Puis la mise en scène est quand même... ça prend quand même, c'est un peu... c'est déstabilisant. Je trouve que c'est bien, c'est bien mis en scène et ça, c'est vrai que ça prend, c'est intéressant. Là-bas,